Where's the king? C'est 10 dur. Il y a des traces de pas. Des traces de pas, c'est fraîche. D'ailleurs. Flèche rouge sortie. Focus qui se faisait pas. Allez, continuez. J'ai du doigt. J'ai du doigt, ils vont tomber. Là, on dirait des lits. Je sais pas si c'est des lits, enfin on dirait. Ouais, je pense que c'était des chambres. Terrible. Là, j'ai juste les frontales et j'ai ouvert l'air. Petite lampe pour eux parce que au final, on est tombé en panne d'un batterie sur l'autre. Là, ça sent vraiment le fioul. Je vois un moteur. Ah, c'est d'être. Ouais. Là, c'est magnifique. Donc, gaffe aux trous. Là, je vois un groupe électrogène monstrueux. Dedans, ouais, c'était plié quand même. Je pense qu'ils ont dû taper le fioul. Désolé, j'arrive pas à parler, je suis congelé. Donc là, on voit des pompes. Voilà, là, j'arrive plus à parler. C'est magnifique.
Donnez-moi ça. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des bruits vraiment zarbi au fond. Gaffe au trou, là. C'était que Iram. Putain que ça fonctionne encore là. Intention huile 184. Pourquoi 184? Alors si vous savez ce que c'est l'huile 184, ce serait cool de me dire dans les commentaires ce que c'est. Parce que s'ils ont marqué, c'est que. Enfin, je pense que ça doit être toxique. Pas parce que ça glisse. Dites-moi leur si c'est ça. Fais gaffe de ne pas foutre les pieds dans un trou. Voilà, c'est ma première vidéo avec ce stabilisateur. Je ne l'ai pas encore en main. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore en main. Ça viendra par la suite, je pense. Là, pareil, hein, toujours on dirait des lits. Je pense que c'était des chambres. Il y a un coffre. Il y a un coffre, il est magnifique. Je sais pas ce qu'il est rangé là-dedans, mais il est vraiment beau. Oh là, il y a des coffres aussi. Ça va, c'est un peu plus gros. Ça continue. Là, il y a un regard. C'est peut-être pour les objets. Là, il y a une ventilation. Donc, ça doit être la VMC du fort, enfin, du bunker. Là, toujours un tableau électrique. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment bien conservé. Quoi. Donc là, on en route fort. Enfin, bon, c'est parti. On va aller vers E. Flèche rouge, on va dire que c'est la sortie. Enfin, du moins l'entrée, par où on est venu. E. Donc regarde bien au sol, fais attention au trou, d'accord? Au vu du carrelage, j'hésite entre cuisine et salle de bain. Alors, on a une traction d'air. Là, on a une boîte électrique. C'est pas s'égarer. Ah, ça c'est impeccable. Les tourelles. Merci pour les gars qui sont passés avant, ceux qui font le repérage. Franchement, vous assurez le truc. Donc, fais vraiment attention. Fais gaffe à l'escalier.
Alors, les gars, si vous faites ce genre d'exploration, ne faites pas ça à l'arrache. Hein. Vous. Voilà, ça reprend, désolé les gars, en fait, souci de batterie sur l'autre caméra. Donc on prend le relais avec celle-ci. La qualité sera un peu moins bien. Je n'ai pas percuté que ça défile aussi rapidement. Quoi. Alors, là, je vais essayer de monter avec le stabilisateur. Alors, on a une grille ici. Les bras, je suis un peu essoufflé. Ah, le stabilisateur part en couille. Il y a toujours la même flèche, donc je présume que ça indique la sortie. Là, j'ai une porte. Tiens, la fermeture fonctionne encore. Je sais pas si c'est des impacts de balles, ça non. C'est pas les uns. Le stabilisateur fait des siennes aussi. Non, je crois que je l'éteins sans faire exprès. Allez, donc, on continue. Donc là, ça va donner accès aux tourelles. Oh là là, c'est magnifique, regardez le bruit qu'on entendait depuis tout à l'heure. Vous le voyez là? C'est un petit renard, enfin un renard en fait. Il se cache. Yo! Oh, c'est magnifique. Il a peur, ma pauvre. Alors, est-ce qu'il est tombé? On a vu, d'après ce que j'ai sorti là. C'est voir sa tête par en dessous. Il est magnifique. Il est mort. On va pas te faire de mal. N'aie pas peur. Il est magnifique. C'est la première fois que je m'approche en près comme ça. Il est en panique, le pauvre. Il est en panique. Te blesse pas, mon coco. Il est tout maigre. Allez. C'est lui qu'on entend depuis tout à l'heure, hein. Le bruit. Alors, coco. Ah bah quelle surprise alors, je m'attendais pas à ça, sérieux. Alors je sais pas s'il est coincé. Là, j'ai envie d'aider s'il avait les coincés, mais bon, je pense qu'il va mieux qu'il est là-bas, quoi. Voilà, on va se barrer parce que j'ai peur qu'il se blesse là. Il est en panique, pas qu'il se casse une patte ou quoi. Non, laissez passer. Bon, je pense qu'il a trouvé la sortie. On va continuer la visite. Je suis également surpris, franchement, c'était magnifique. Donc là, c'est des trucs chambrés. Là, il y a un pieu, une petite table. Alors, OGC B214. J'ai perdu un tympan, là, les amis. Ah, waouh! Alors, on va essayer de monter. Donc là, c'est la lumière du courant, ce que vous voyez. Donc c'est une tourelle. Est-ce que l'autre. On va pas monter ça. Ouais, donc il n'y a qu'une tourelle. Il n'y a qu'une tourelle ici, c'est dommage. Ah, bah, je suis con, quoi. C'est là où il y a le renard. Voilà. Donc celle-là, elle est un peu plus grosse. Donc là, ce que vous voyez là, ici, c'est le fauteuil. Donc le gars s'asseyait là-dessus. Et là, il y a une manivelle. Hop là, ça faisait monter le fauteuil.
Et le gars s'installait là-haut pour brûler l'ennemi en fait. Il s'est monté. Tiens, tiens-moi-le comme ça. Tu vas me le passer après. Si j'ai pas monté, parce que. Tout brouillé, je ne sais pas si ça va pour accéder pour le tétanos, c'est encore bon. Donc je me décroche aussi. C'est dégraissé, pas si ça tourne. Ça tourne encore de moi. Je vais essayer de monter, donc là-haut, il fait deux jours rôle. Passe-moi, merci. Voilà, bon. Je peux vous montrer là. Voilà, c'est la lumière du jour, donc le soleil se lève. Il n'est pas stable, hein, donc c'est pour ça qu'on est parti de nuit, on est tranquille. Du coup, je peux pas monter, quand même pour montrer le ciel. Bon, il y en aura d'autres. Je peux pas monter. On va pas escalader parce que je n'ai pas envie de me blesser, j'ai une mauvaise expérience sur la dernière fois. Donc là, le bois il est d'époque, il est hyper bien conservé. Hop. On va essayer de redescendre sans trop de dégâts. Bon, ben pour là c'est fini, donc je pense qu'il doit y avoir une autre tourelle là-bas. Donc là on est venu d'ici, flèche verte, flèche rouge. Ok, bien. Il y a de la flotte. Il y a de la flotte, il y a une planche, là il y a une échelle. Ah ben là, il y a peut-être une tourelle que je vais vous montrer. Alors, attendez. Hop là. C'est grimpé. Ah, oh putain. Le sac qui s'est accroché. J'aime cette lumière du jour. Ça tient? Ouais, oh là, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer un peu. Regardez cette vue là. Regardez-moi cette vue. Quand je dis que ça vaut tout l'or du monde, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc là, on voit. Il y a deux tourelles là. Je vais essayer de sortir le tel. Ouais, c'est deux tourelles, c'est là qu'on était tout à l'heure. Voilà. Je vais essayer d'éclairer, voilà. Ça, c'est ce que je vais monter. Et ça. Ça fonctionne encore. Ça c'est le tabouret dont je vous parlais. Donc le mec s'assied là-dessus. Là il montait en fait. Ça marche plus. On va pas faire. Oh ça descend. Vous voyez là. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais ça descend un peu quoi. On va pas faire le con que c'est le truc qui tombe là, je me fous en l'air. Donc il s'assied là en fait. Et il burinait. Voilà, donc je sais pas ce qu'il avait là, ça devait être de la mitrailleuse. Bon, allez, on va redescendre. On va continuer. Et là. Oh là! Oh le pauvre! Il est là! Notre ami est là! Vous voyez, bon, on va pas lui casser les couilles là, parce que je vois qu'elle vide et je veux pas qu'il se blesse. Hein. Je veux pas qu'il se blesse. Je vais vous montrer là qu'il y a une vue. Notre ami. Ne tombe pas, tombe pas. Tombe pas, on s'en va, on s'en va. Ah bien. Voilà, il a trouvé la sortie nickel. Et alors ? T'as peur? Elle était dehors, gars. Ah, il doit y avoir. Ah putain, il y a le vide.
Ah oui, merde, le pauvre. Ouais, derrière, c'est un vide. On va rebrousser chemin. Et voilà, les amis, donc, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, des petits pouces bleus. Merci beaucoup pour avoir suivi. Allez, ciao, ciao, les amis. Les amis, avant de finir cette vidéo, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé ce bout de bois. Donc on a foutu l'entraviole pour le renard. L'idée c'est que, après il est pas con, hein. Si juste il peut prendre appui, ensuite je pense qu'il va sauter.